Coincé entre aéroport et rocade, c'est le coin de nature d'un entrepreneur spécialisé dans le terrassement et les travaux publics. Un site d'une vingtaine d'hectares où ce patron atypique a décidé d'organiser une fête champêtre d'anniversaire, ouverte aussi aux voisins curieux. On a été invités, alors ma foi, on verra bien. On aura peut-être des explications concrètes tout à l'heure. Pour tenter de comprendre où ils ont mis les pieds, ils doivent se rendre sous le chapiteau. Ici, vous êtes chez vous, vous êtes chez moi, vous êtes à Janeria, vous êtes à Busignan, ça n'a pas d'importance. Le patron du groupe Tébior a tout mis sur la table, ses sources d'inspiration, les plans d'aménagement de son territoire et même une autobiographie. Il y a pas mal de choses qui se mélangent, Jérusalem, Pusignan, non, c'est intéressant, c'est une belle manière de voir les choses. Pas facile à suivre, mais tous les chemins le ramènent à son terroir. Un soir, j'ai vu à la télévision un reportage sur, excusez du peu, Laurent le Magnifique à Florence. Et je me suis aperçu que ce type, tout ce qu'il voyait de bien dans le monde, il le ramenait sur son village. Donc c'est ce que j'essaye de faire sur Pusignan, en étant beaucoup plus modeste, puisque Pusignan, c'est 1300 hectares. Voilà 20 ans, André Roibé a donc créé dans son pays natal une holding familiale qui compte aujourd'hui quelques 300 salariés. Il a aussi une fondation au nom de l'environnement et du développement équitable. Mon père, c'est un homme de bonne volonté. On a l'habitude des gens qui font des choses dans une entreprise, parfois avec passion, etc. Et lui, il faut vraiment se mettre sur l'optique du désintéressement pour vraiment comprendre ce qu'il fait, quoi. L'amour filial peut certes aveugler. Toutefois, ici, visiblement, il n'était pas le seul à s'être laissé conquérir.